Ils étaient 34 nominés dans le cadre de la première édition de ces awards de la presse. Mais à la fin, 12 se sont démarqués grâce à la reconnaissance de leur père. Pour ces lauréats de la première édition des awards de la presse gabonaise Makongonio, cette récompense est le fruit de plusieurs années de travail. Je ne vois pas ça vraiment comme une victoire, mais plutôt comme une forme de reconnaissance du travail qu'on a bâti. Après avoir été effectivement lauréate, sinon finaliste au Grand Prix Francophilie des médias à Yaoundé au Cameroun, puis employée du mois à Gabon 24, aujourd'hui je reçois ce prix. Ce n'est qu'un sentiment de fierté. Ce prix vient d'une certaine façon consacrer ces règles d'éthique et de déontologie. Ces règles de bon journaliste, on ne l'est pas toute la vie, mais on aspire à l'être. Ce prix, je le dédie d'abord à Dieu, parce que je suis une chrétienne, ensuite à ses devanciers, comme je le disais, ces accidentés de Makongonio, à ma famille, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue, mais à tous ces hommes et femmes de médias qui se battent au quotidien. À vous tous que je dédie ce prix. Un choix qui, selon les membres du jury, s'est fait sur les principes du respect de la pratique du métier de journalisme, sans omettre les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Nous avons tenu compte du respect des techniques journalistiques. Elles sont les mêmes pour tous les médias, même s'il y a des spécificités d'un média à un autre. Mais on s'est aussi confronté à quelques difficultés. L'inexistence des travaux sur l'audience des médias au Gabon. L'audience quantitative, l'audience qualitative. Les awards de la presse gabonaise rendent également hommage aux journalistes disparus lors du crash d'avion survenu à Makongonio, dans la province de Longounié, en 1985. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que le Gabon avait enregistré un crash d'hélicoptère à Makongonio. Et que lors de ce crash, nous avions perdu 7 journalistes. Makongonio, parce que désormais, les gens vont se retrouver pour compétir. Et également, il faut qu'on prenne l'excellence dans notre corporation. La célébration de la première édition de ces awards est une célébration qui témoigne de l'engagement et de la passion des journalistes. Un événement dont l'objectif est de tirer la profession vers le haut en luttant contre l'amateurisme.